Alors, maintenant on va monter là. Encore un palais. Hein. Donc l'ordre de Ahmed, vous vous rappelez de lui, je pense. Celui qui nous a donné le bâton chaman, le disciple de vivant. Enfin non, pas le disciple de vivant, le maître de vivant. Enfin, son disciple, c'est pas mystique, hein, l'ordre. Enfin, vous avez compris. Genre, les gardes, ils l'ont commute. Ouais, il est allé au sud, je vous rappelais peut-être. Le pont était cassé et après il est reparti vers le nord. Voilà, là il part. Hein. Je suis habitué, on piège rien, voilà. Vous vous rappelez les voleurs qu'on a combattu au début du jeu, bah là c'est le même groupe, on va dire, enfin pas les mêmes voleurs, les... enfin, ils font partie du même groupe qui ont capturé Lord Ahmed, ou Ahmed, ou... vous avez compris. De passer assez vite, de toute façon ça va faire des actes pendant toute la vidéo. J'espère que vous avez assez le temps de lire là. Moi j'ai le temps, je suis à ma vitesse. Val, c'est notre village. Ça se fait trop cliché encore. T'sais. La prophétie, t'sais. C'est ça. La prophétie dit que hier je mangeais du jambon. T'sais. C'est quoi cette prophétie? C'est trop con.
Donc Tolbi, c'est la cité du jeu, et Xian, c'est la ville qu'on était, la dernière ville. Là où on nous a appris Vision. Après cette longue truc, ce long dialogue, on va partir pour à la chasse au djinn, hein, comme je vous l'avais dit. Donc là, vous voyez des espèces de voyageurs. Voilà, il parle d'un colisée, on va y aller d'ailleurs. Ils vont tous à Tolbi, hein, ceux-là. Tolbi, là, c'était lui. Donc là, en fait, on doit tous faire parler. Hein. Je sais pas si on en a en bas. Ils parlent tous de Tolbi. Hein. Ça, on s'en fout, tu vois. Ah. Ils parlent tous de Colisée de Tolbi. Hein. Parce que les dialogues ils sont pas importants, mais il faut quand même leur parler en fait. Toutes les villes dont ils parlent là, elles existent. Voilà, donc on aura tous parlé, on descend. Normalement, si on quitte la ville... Voilà, c'est bon. La musique que vous entendez, en plus, c'est la musique des jeux de Tolbi, justement. Quand on fait un jeu, ça fait ça. Cette musique. Non, ils vont pas nous faire l'appel, là où je vais tuer. C'est vraiment pour me faire chier ça. On voit bien qu'ils sont 8, qu'est-ce qui nous saoule. Putain mais ils font exprès. Oh stop. Non mais je n'y crois pas. Oh mais putain mais c'est pas vrai. S'ils font aller compter tous les 5 secondes. Allez, maniez-vous un peu. Mmh.
Ouais, je crois que la chasse aux dunes, c'est pas pour tout de suite. Hein. Oh bordel. Faut vraiment chier. Hein. Ça va faire une vidéo qu'avec des dialogues. Ah voilà, c'était lui qui manquait. Hein. Voilà. Là, on va se dépêcher. Tiens, c'est quoi cette caverne? Ça me dit rien. Tunnel de Calaï. Ouais. Bon. Alors là, le but, c'est de revenir au nord. Maintenant que le pont a été réparé, pour rappeler du pont, hein, que Maître Amé voulait emprunter. Voilà. Donc là, je passe les combats. On n'a pas que ça à faire non plus. Et là, vous devrez reconnaître la ville. C'est Volt. La ville où il y avait vent. Et là, vous voyez un cercle de pierre, comme je vous l'avais dit. On peut utiliser vision. Voilà, il y a une cave en fait. Alors le truc c'est de faire sonner la cloche qui est là-haut. Là où il y a un djinn hein, vers l'arbre. Ouais, il a peur, il s'enfuit. Et là, comment attendre cette cave? Vous allez voir. Est ici et voilà, donc la caverne est plus grande que les cavernes d'habitude où il y a des djinns. Donc là, une petite mimique, hein. On se la bat tranquillement avec des gros trucs, hein. Une fiole. Bon, ça on va le passer. Hein. Voilà. Là il suffit tout simplement de bouger le flambeau sur le truc. On fait frimer un peu partout. Donc on va le mettre en raccourci. Ici, je crois que ça sert à rien de le faire, mais bon, on le fera pas. Ah, attendez, avant de faire ça, je vais quand même faire ça. Ouais. Après, quand je vais revenir dans la salle, ça va disparaître. Voilà, un coffre. J'embrasse. Donc, là, j'ai bien fait de pas acheter le gant. Donc ça, je donne à Garrett parce que c'est lui qui augmente toujours son attaque. Hein, voilà. Dommage qu'on puisse pas passer cette scène. Parce que voir 200 fois Frima, voilà.
Merde. Non, c'est bon, ça marche. Non, ça marche pas. Ouais, bah en fait, de chasse au djinn, on va surtout en récupérer qu'un seul. Hein. Parce que je pense qu'après ce djinn, je vais passer la vidéo. Donc la prochaine fois, on aura encore un djinn si je me trompe pas. Ouais, c'est bon. C'est le vrai bordel sur celui-là. Voilà. Ah. Oh merde. Voilà, j'ai peur que la vidéo soit trop longue, donc je crois que je vais la couper même avant le djinn. Bon, après ce combat, je coupe la vidéo. Je suis désolé, c'est encore une vidéo pas intéressante. Mais de toute façon, les dialogues, on peut pas les couper, hein, ça enlèverait tout l'intérêt du jeu, donc... Enfin, vous avez compris comment on fait. Donc à la prochaine vidéo, vous verrez le enfin la vraie chasse au djinn. Donc on aura celui-là, plus un autre, si je me trompe pas. Salut.